حاجه اخرى لا ريسبونسابيلتي لا انسيدون بوليتيك يا ايو ليو دون لا نوي دي ماردي او ميركودي تاك مارس ديرنيير او مومون او دي زيتيون ا لانتيريور دو كونسيل كونستيتيسيونيل افيك اون فواتور كي ا ايتي انريجستري بار لي سيرفيس دو سيكوريتي دو كونسيل كونستيتيسيونيل sous le regard à la fois de toute la presse qui était présente, le regard de l'ensemble des forces de sécurité qui étaient aussi à l'intérieur du Conseil constitutionnel, sous le regard des forces de police qui étaient aussi à l'intérieur du Conseil constitutionnel, qui ensemble ont été témoins de mon entrée officielle et réglementaire à l'intérieur de ce Conseil constitutionnel, eu égard à cet élément, je considère sur le plan le droit, la responsabilité de ces incidents politiques incombe totalement au Conseil constitutionnel. Celles et ceux qui veulent faire de cet incident politique un fait divers se trompent. Ce n'est pas un fait divers, c'est une affaire politique. Et la solution à cette affaire politique est elle aussi politique. Je demande donc officiellement, comme je l'ai écrit au président du Conseil constitutionnel hier, il me déclare d'office candidat officiel au cours de l'élection présidentielle du 17 avril prochain. Et j'ai nullement l'intention d'abandonner ce combat pour la justice et pour le changement, et je n'ai nullement l'intention aussi de faire de la provocation pour créer du désordre. Je suis un démocrate, un républicain, et mon action s'inscrit dans le cadre de l'ordre républicain garanti par la Constitution. Voilà ma déclaration. Celles et ceux qui m'accusent d'avoir organisé cette opération se trompent, car si Rachid Mekar, qui ne fait pas partie du système, est capable d'organiser une opération aussi diabolique, alors que les services de sécurité algériens sont parmi les services de sécurité les plus performants au monde, je crois que ces personnes qui m'attribuent ce talent devraient plutôt postuler chez les réalisateurs d'Hollywood en Californie. Je tiens à ajouter que depuis 9 mois, je fais campagne chez 48 wilayas d'Algérie. Je n'ai jamais. Durant ces visites dans les 48 wilayas, moi aussi, je n'ai pas rencontré aucun problème au sein de l'ordre. Comment croire les services de sécurité et de renseignement qui m'ont accompagné durant ces 9 dernières années, ils n'ont pas suivi la voiture. Qui était conduite par mon frère et qui a atterri dans un lieu qui s'appelle Pommelden. Et j'ai appris hier, sur l'ensemble du peuple algérien, qu'apparemment les signatures auraient été retrouvées dans la wilaya de Blida. Je vous le dis, je m'interroge
Et je ne répondrai pas à cette question, car je n'ai pas la réponse à cette question. Tout ce que je sais, c'est que mon action ne sortira pas du cadre du droit. Et le droit dit la chose suivante, dès lors que mon véhicule avec les signatures est entré dans le réglementaire, ce véhicule, ces signatures, c'est pas mort. Je crois.